Le secrétaire d'État américain John Kerry poursuit sa visite au Proche-Orient. Ce lundi, il participait à une cérémonie à Yad Vashem, le mémorial des victimes de la Shoah à Jérusalem. Il y a croisé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les deux hommes auront un entretien en tête-à-tête demain. John Kerry assure n'avoir aucun plan de paix dans ses bagages. Le but de sa visite, a-t-il insisté, est d'écouter les protagonistes et voir comment relancer un processus de paix actuellement au point mort. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé hier en provenance de Turquie. Il s'est rendu directement à Ramallah, en Cisjordanie, où il a rencontré Mahmoud Abbas. Le président palestinien lui a rappelé ses deux priorités. 1. Le gel de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens. Et 2. La libération des prisonniers palestiniens les plus anciens détenus en Israël.